Ça change rien, hein. À quoi bon? Dès que je fais une game du BO, tout le monde me troll. On va mettre chill, lofi, hip-hop, mix, stress, relief. Ça, faut que j'écoute un bail d'ASMR, un truc comme ça, là. Oh là là, comment je boue en moi. En vrai, là, le problème, c'est que je peux pas mettre une patate dans un truc, donc j'ai... Genre là, je touche ma peau, elle est brûlante, frère. Je vais mettre des patates partout, là. En plus, je sais que si je monte Master, je vais déchirer toutes les games, ça qui me dégoûte. Ah ouais, stop playing game où j'ai rien à faire, je suis à genoux. Je suis à genoux, déjà déjeuner, logo, go, go, go. Do what you want. Ce que tu veux, frère. Bah, n'aie pas Chaco en face, j'en supplie, j'en supplie. Je vous en supplie. Yes, Chaco n'est pas ban. Chaco n'est pas ban. Je vais top. Allez, s'il te plaît, Chaco. Masterclass, s'il te plaît. Humilie-les, je vais jouer comme une pétasse, je vais jouer. Je suis Renekton, star d'Orange Shield. Regarde si je prends un CS, frère. Je mourrai pas. S'il te plaît, faites ce que vous avez à faire. Là. Là, il me faut une game où je fais rien. Et après, je reviens, je baise tout le monde. Regarde-moi ce Renekton blind pick. Faites ce que vous avez à faire. Ça, c'est pas mon dos. Je vous soutiendrai du plus profond de mon âme. C'est tout ce que je veux. Baisse un peu. Le son, il est si fort que ça? Mais là, j'ai le truc à fond, c'est pas si fort, hein. Là, vous me parlez comme si vos oreilles vont claquer, là. Là, je pense que vous abusez un peu. Je vais baisser ce moment. Je vais baisser pour vous. Renekton contre Aatrox. Vas-y, nique sa mère, on va, je presse the attack, nous. Démolish plus ça. Please, please. Chaco, plie un classique, frère. Un classique, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars, un classique, je veux. Dia Degenello. C'est bon, il va nous jouer un petit Veigar, lui. Lui va nous jouer ça, Lux, 61% de win rate. Va falloir sidestep. Frère, faut qu'il solo win, c'est son job. Il n'a pas le choix là. En plus, j'ai l'impression qu'il est en train de se faire boost vu son winrate, le Chaco. Et son nombre de games. Je crois qu'il a cédé à l'elo boosting. Augmente. Bah ouais, mais faut savoir aussi, frère. Juste vu qu'il y a du délai, c'est trop dur à régler. Doran Blade, on y va pour le meurtre. On va lui baiser ses morts. On va défendre ses box. Je suis là pour toi, Chaco, je suis ton soldat, mec. Je suis ton soldat, mec. Welcome to Summoner's Rift.
On est là pour te protéger, mec. On t'accompagne dans ta carrière. Mini maréchal, on est là pour toi, man. 30 secondes until minions spawn. Il y a un mec qui touche cette box, je lui arrache le crâne. Je suis là pour toi, mec. Je suis là pour te protéger. Je suis ton soldat, ton plus fidèle soldat. Compte sur moi, man. Je ferai pas le place de trop. Je mettrai pas l'auto-attaque de trop. Je m'en vais, je vais au top tel un chien galeux. Je vais warder ton blue buff pour éviter toute tentative d'invade du Jarvan. Je suis là pour toi, mec. T'inquiète pas, j'y vais. T'as même pas besoin de ping, j'y vais. Et je vais te le warder, ton blue buff. Tiens, regarde. Une bonne ward à 1-11. J'aurais dû attendre, my bad, chef. Dans un grand moment de doute, là. Là, on est en tournant. Là, on est en tournant. Cette game, c'est un tournant. Cette game, c'est un tournant, la team. C'est un tournant. Après, plus je ward tôt, plus j'ai ma ward tôt. C'est un tournant, la putain de team. C'est un tournant, cette game. C'est ça qui va faire tourner l'histoire d'un point A à un point B. Il joue pas avec bonne platching déjà. Là, il a plus son Q, non? Là, il a son Q. Je start E deuxième. Je vais aller warder le tribut, j'ai pas de ward. Mais du coup, je vais faire George Ward. Hop. Là, il va ping que c'est wardé. Le slice et le dice. Faut que je fasse gaffe, j'ai pas de E. Jarvan pourrait être là. Jarvan est bot. On le rend diveable. Super joueur, je vais la suite. Ok, c'est bon. Il n'y a plus E. Rien à foutre, j'ai pas dash. On stack la rage. Là, on freeze maintenant. Maintenant, si tu veux jouer, il va falloir jouer, poteau. Jarvan est mid. Je joue pas avec Ignite ou quoi. Hein. Ah, si je joue avec Ignite, je le tuais là. J'ai tout raté. J'ai dû claquer toute ma rage. On restack un peu de rage. Là, on va aller warder. Jarvan est encore au mid. Putain, il m'a baisé. J'ai joué fade. J'ai encore mon flash. J'aurais dû flash out. Je pensais que je le tuais, j'avais pas assez de dégâts en fait. Dommage. C'est qui est mort, bot? Chaco, il a un kill. Je dois pas faire ce genre de truc parce qu'il a Doran Shield, il a trop régène sur mes anciens trades. Moi, j'ai pas régène. En vrai, c'est killable en vrai. Il a quoi? Wouah, il a rush ta bille, frère, wesh, abuse. Oh, j'ai plus le dice. Comme c'est que je sais pas comment jouer contre ce perso de merde. Et c'est bon, j'ai crash la wave, je vais reset.
Je vais prendre un truc d'armure. Sans, il est level 6, c'est wave canon là. Oh non, juste des bottes. Juste des bottes pour pouvoir courir hors de son E là. En vrai, c'est dur, hein. Ouais, je devrais jouer Conqueror, je pense. Après, j'aime bien le burst de presse d'attaque, mais je connais pas du tout le match-up, je sais pas comment le jouer. J'ai trop peu joué contre des Aatrox. Il est mort, il a plus de fume. Ça me touche, wesh. Si j'avais pas bougé, ça me touchait pas. Je vais juste prendre l'XP, il est level 6 là, de toute façon. Nice, bien joué. Je pense qu'il est free kill, hein, parce qu'il joue vraiment aggro. Tu vois, là, il a pas le droit de faire ça en vrai. Et je comprends que le prince Chaco ne veuille pas venir. Mais il a rush ta bi, c'est la honte quand même. J'aurais pu me dérailler, je pense. Ah, je l'ai mis bien low pour qu'on puisse le one shot. La merde, frère. Il a tellement régène. Mais ouais, mais putain. Fallait juste attendre que je le flash. Je voulais absolument qu'on le tue. Il a trop régène. Là, ma game est baisée maintenant. Ouais. Bon, je pensais qu'il le one-shotait en ça. Oh non, me dis pas qu'il meurt. Ah, là, bien joué. Putain, non. Ah, je sombre. Je sombre, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Fin de saison. Non, s'il te plaît, non. Terminé. Au moins il a eu le shutdown. Ma game est foutue. Je sais pas pourquoi j'ai accepté d'aller top. Ça, je voulais. J'aurais dû jouer mid. J'aurais dû jouer mon petit talon mid là. C'est terminé. J'ai plus aucune conviction. Je fais n'importe quoi. Là. Après, le petit prince Chaco, il a eu un kill quoi. Mais bon. C'est fini, frère. Voilà, j'ai plus envie de jouer. Ah ouais, c'est terminé, voilà, c'est terminé, c'est terminé. En plus, la lane, elle freeze, là. Ah, s'il me met pas un gank vite, là. Ok. Il est level 9. On bat les couilles, frère. Juste FF, voilà. De force. Après, bot, il a 20 CS d'avance. Hein. Oh, match-up, il est finito. J'ai troll level 4. J'aurais pu le one-shot level 3 en fait. J'ai pas porté mes couilles. Je l'ai tué level 3, la game était finie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué top. Du coup, je joue jamais.
Les modos bannés, les petits fils de pute qui viennent jouer les petits rats en mode envoyer des phrases bizarres là. Bannez-les, voilà. Je sais pas pourquoi ils sont sur le chat. Je vais les bloquer plus tard, mais. Non, je suis à genoux. Ah ouais, c'est fini ça, grand-mère. Ok. Il a eu 300 gold avec ça. Pas l'avoir, je vais me faire dive là. Time dive normal, mais bon. Et parti, ça le fils. Putain. Lame dive normiche. Il m'a pas tué, il se chie dessus, ce mec. Mais tu vois, sur un timing comme ça, là, il y a un mec qui vient le truc, c'est. Non, s'il vous plaît, gagnez ce move, je suis à genoux. Ah, mon Chaco, il se prend deux levels. Non, mon Z n'a pas pu partir, c'est fini, de toute façon. De toute façon, c'est fini, je m'en bats les couilles. Terminé. Sérieux, ta mère, frère, j'ai accepté ta duo de merde. J'avais un bon feeling ce soir. Depuis cette game, c'est fini, frère. Il n'y a plus rien pour moi. Il n'y a plus rien. Ça m'a ruiné mon mental. J'étais trop bien. Turret plating will soon fall. Enemy rampage. Terminé. Au moins, on va la 15, ça me va. Solo lose ma vie, voilà les petits de ma vie. Voilà, je t'avais rien demandé, moi, je t'avais rien demandé. On est dans une queue, il y a que des fils de pute derrière et c'est terminé. Jamais remonter de ça, frère. Je sais que mon mental il est horrible, donc c'est jamais. Jamais remonter la pente après un truc comme ça. Je suis pas un mec comme les autres qui. Allez, c'est reparti. Non, c'est terminé. Là, c'est pour. Là, je vous jure, hein, quand je suis comme ça, c'est. C'est fini. C'est un bail de 8 mois de pause pour revenir et perdre cette graine là qu'il y a dans mon crâne. De toute façon, que je perds ou pas top, mid bot ils se sont fait enculer. Hein. Mais la botlane elle est en 0-10, donc en vrai, même si j'avais gagné le top, on fait even. Si j'ai... Même si j'avais pas essayé de le tuer, ça changeait rien.
Your turret has been destroyed. An enemy is unstoppable. You have been slain. C'est rush et tout, c'est fini frère, on parle pas de rush, toi tu m'as abandonné comme un chien. Bah, tu m'as jeté dans le caniveau frère, t'es servi de moi, t'as pris ton master, t'es parti. Wesh. Voilà, si t'avais pas touché ton compte, on serait trop bien, on avait le même LP, voilà. J'étais dans le caniveau. Tu m'as jeté dans le caniveau, ça se prend profit de moi frère. Et là je sors des grands et Karim toute la journée frère. C'est terminé frère. Ouais, période, mets des émotes comme ça. Vas-y, mets des émotes comme ça. Tu te fais low boost, toi, y'a rien. Tu peux monter même chat, t'es fait low boost. T'es marqué comme ça, c'est tout, frère. J'ai une tech de fou. Bah ouais, la tech de fou, c'est tu dois tout faire en jungle. Et Inch'Allah, ça marche. Non, non, voilà, c'est la vérité, frère. C'est des ouf. Non, faut dire la vérité, faut dire la vérité. Chiki, tu m'as lâché comme un chien, ça, c'est trop dur maintenant. Je peux pas jouer solo à ce jeu, frère. On avait une duo d'enfer, ça marchait trop bien. Fallait que tu joues sur ton compte alors que tu devais pas jouer dessus. Non, tu t'es fait Elo Boost par exutoire, c'est la vérité, c'est la simple vérité, c'est Elo Boost. J'espère que tu l'as bien payé même. C'est la vérité, frère. C'est la vérité, s'il te plaît, wesh. Pourquoi tu me parles? Tu mets des émotes pleurs. Bah moi je dis la vérité, c'est tout frère. Tu t'es fait exutoire, t'as Elo Boost frère. On dit ça en rigolant, c'est la vérité frère. C'est la vérité, je viens pas me casser les couilles après. Ouais. Mais pas des émojis pleurs, nani, nan. Sans exutoire, t'es diamant 4 frère, hein, sache-le. Me parle pas frère, me parle pas, wesh. Tu es avec un mec qui fait 25 kills toutes les games et y a pas de problème pour toi. N'importe qui d'autre sur le TS aurait fait 15 duos avec Exutoire, t'aurais parlé. Moi, j'ai besoin de personne, moi, qui tous vos mères. Je suis tilt aujourd'hui, là, je vais perdre. Demain, je vais revenir d'aplomb. J'ai fait low boost par Chiki. Les games sont là, les games sont là. Chiki fait 25 kills par game, s'il te plaît. Tu joues support comme une petite pute et t'espères que le mec fait 25 kills par game, frère. Wesh, il a été 15 fois MVP. Tu as fait 73 games. Moi, les games, elles sont en stream. Elles sont là. J'ai des preuves. Je suis tout le temps top damage, tout le temps MVP. Je suis tout le temps à 15 kills. Je gank tout le temps Chiki. Toi, ça n'a rien à voir, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Nous, on est une duo Q. On est une duo Q. J'ai monté ces deux comptes en master. Toi, c'est de l'Elo Boost. Et je pèse mes mots. Et je pèse mes mots, je le jure. Et après, tu viens mettre des émotes. Zarma, tu viens flex sur les gens. C'est de l'Elo Boost. Je suis désolé, frère. Je suis désolé. Je suis désolé, on va regarder le profil d'Exutoire. Chiki fait pas ce que fait Exutoire dans mes games. Hein. Chiki fait pas ce que fait Exutoire dans mes games. Hein. Chiki fait pas ce que fait Exutoire dans mes games. C'est pas... Je suis désolé, mais non. C'est un mec, il a 1000 LP, lui, frère. Il a pas... Il est pas D1, frère. Ah non, je supporte pas. J'ai rien dit, mais... Que tu viennes me flex dessus après, ça je supporte pas, ça je supporte pas. Ça je supporte pas frère. Moi les games avec Chiki ça a rien à voir. Chiki il a jamais fait ça de toute sa vie. Il a jamais fait ça de toute sa vie, il l'a jamais fait avec moi. Jamais il a fait ça. Jamais il a fait ça, jamais il a fait ça, jamais. Donc viens pas comparer ça avec Chiki s'il te plaît. Jamais de sa vie il a fait ça frère. Jamais de sa vie il a fait ça. Vas-y de toute façon, ça va me parler. GG well played. Vous êtes tous plus forts que moi. C'est GG. Ouais, je. Avec Chiki, je Karim, je sue du cul pour carry les games, frère. Ça, moi, il monte pas master. Hein. Il a des modes. Dès qu'il démote, il appelle papa. C'est toujours la même chose. Pas grave, c'est pas grave. Ah, donnez-moi une game. Je vais remonter avec mon team au jungle. Non, non, bah non, faut dire la vérité au bout d'un moment. Va venir me pisser dessus après, moi j'ai trop les nerfs. Je suis trop énervé déjà, je suis trop énervé. Ça sert à rien de me pisser dessus derrière, je suis trop énervé.
Je suis déjà trop énervé. Ah ouais, déjà, je suis méchant, frère. Et ça me compare Chiki à Exutoire, s'il te plaît, frère. Chiki, il en rêve tous les jours de jouer Exutoire. C'est sorti purement à Cali Victor. Mais t'as fait ça? T'as fait ça? T'as fait ça, s'il te plaît? T'as fait ça? T'as fait ça? Tu montes les games, je suis là dans les games, hein. 12-0, 5-1, 14. À chaque fois, je dois te camper ta grand-mère, hein. 12-5-10, son père. T'as fait ça? Je suis tout le temps dans les games, moi aussi. Ça me parle comme si. Frère, si je tryhard pas les games, on perd. Si je tryhard pas les games, on perd. Toi, Chiki, le seul truc que je te reproche, c'est de m'avoir abandonné comme un putain de chien. C'est tout, c'est la vérité. Tu m'as jeté comme un clébard. Tu m'as fait une promesse, je suis revenu le lendemain. Tu m'as fait une promesse, on a les mêmes LP et tout. On a fait une chain win. Je suis revenu le lendemain. Le compte, il avait 15 000 games de plus. Tu m'as pissé dessus, frère. C'est la vérité. Ah non, vous êtes tous des chiens ici, frère. Vous êtes tous des chiens. Tu m'as pissé dessus, frère. J'ai monté tes deux autres comptes master et tu m'as laissé code dans le caniveau. C'est bon, frère. Pas grave. Je savais, je pouvais pas faire confiance. J'aurais pas dû duo. Ah non, moi je dois accepter, fermer ma gueule. En plus, derrière, ça vient se foutre de ma gueule. Bah GG, les gars, GG, c'est bien. Tu m'as jeté à la foire au lion. T'as bien abusé de moi, je sortais tout le temps mon Karim et tout. Tu me dis je sortais mon Victor, mais encore heureux, frère, c'est ton main. C'est ton main compte, wesh. Sors pas ton Victor, tu vas faire quoi? Bon, vas-y, on y va. Besoin de personne. La reconquête. La reconquête, c'est maintenant. Je rentre des HP comme la dernière fois. En vrai, c'était bien les HP. La reconquête, c'est maintenant. Je démode demain. Mais frère, ça sert à rien. Ça sert à rien. T'as fait une promesse, t'as pas tenu, ça m'a fait mal ça. Parce que je savais ce qui allait se passer. Je savais ce qui allait se passer. C'est pas grave, c'est pas grave. Non mais les gars, par contre, c'est entre moi et Période. C'est pas entre vous et Période. Donc arrêtez de mal parler à Période. Je suis juste énervé. Il le sait que je m'en bats les couilles. Demain, je vais m'excuser. C'est juste là, je suis énervé sa grand-mère. J'ai vu les mods pleurer, j'ai pété un plomb, c'est tout, frère. C'est juste ça, frère. Arrêtez de vous embrouiller et tout aussi. Vous avez rien à voir avec ni moi ni Période. Y a rien pour vous. Wesh. Vous voulez juste foutre la merde. Laissez-nous tranquille. My bad, j'aurais pas dû dire en stream. C'est les émotions compris. Désolé. Les modos, permabanné, les mecs qui rentrent dans les trucs. Hein. C'est entre moi et Période, frère. C'est un peu une embrouille. Demain, c'est fini, frère. Mais Tiki, j'ai juste dit, tu m'as trahi, frère. Hein. Démode pas. Hein. Il n'y a pas démode pour me dire nanani. C'est le pire truc que tu pourrais faire. Démode naturellement et après renvoie un DM comme d'hab. J'ai pas dit que t'avais pas tryhard. J'ai rien dit, wesh. Je t'ai rien dit sur le niveau de jeu. Et encore, et encore. Et encore, en plus, il y a des fois où je te fais des calls, tu m'écoutes jamais. Et ça m'a fait péter des plombs. Mais de toute façon, c'est pas grave. J'ai juste dit, ça m'a fait chier quand tu m'as dit on rejoue demain. Je suis parti dormir, je suis revenu, il y avait 10 games de plus sur le compte. Excuse-toi, je me suis excusé, les gars.
Les gars, il n'y a aucune rafale. Putain, ils ont ban Chimo, mais vas-y. Mais j'ai même pas le droit à ce bonheur, frère. J'ai même pas le droit à ce bonheur, voilà. Je n'ai même pas le droit à ce bonheur, frère. J'ai même pas le droit à ça. Oh, vas-y, voilà. Ah, j'en ai marre. Voilà, je Chimo Jungle, vous allez avoir une free win en face, frère, vous le bannez, ouais. Allez, ça repart. On va s'arrêter jusqu'à où? 7 défaites d'affilée. Je déteste, il y a que des smurfs en face. Ouais, voilà, ça oui. Envie de canif, pas tous les smurfs. Hein. J'ai pas une botlane
On fait la paix, mais bien sûr, il n'y a même pas besoin de faire la paix, il n'y a pas eu la guerre. C'est juste quand je suis énervé, c'est comme ça, frère. Fini là, c'est terminé. Les 7 défaites d'affilée, elles font trop mal. Minions have spawned. C'est un compte de Ratirel, fais gaffe à toi. On bat les couilles, frère. Un compte de Macron, j'en ai rien à foutre. Change rien. Merci Rengar TV pour les 14 mois. J'ai comme l'impression que ma botlane fait 0 000. Pour bien commencer la lane phase. Arrête, hop, normalement elle le broie. Hein. Hasard, moi je me tape des smurfs de Ratchirel. Moi je suis. Ah, vas-y. Je suis maudit, ça, c'est impossible. Pas possible, je suis moji pour de vrai, wesh. Là. Bien joué, mon gars. Gars sûr. Il va faire le crabe ici. On le voit quand même, s'il te plaît, ouais. Elle va tout de même pas mourir.
Baiser vos mères, les putes. Complètement gap en jungle. That got a stink. Allez, on est bien, j'ai de l'XP d'avance. Après, il a beaucoup de lichtop, donc le corki sera dans la merde. Merde, j'ai mis ce que je voulais pas auto ça. Et une ward, si elle pouvait la prendre, ça me mettrait bien. S'il te plaît, joue weak side top, tu vois bien qu'on est en train de démolir la game. Tu le vois bien, t'as pas besoin de... T'as besoin de quoi en plus là? Il doit péter un plomb le Chimo. Le Twitch, pardon. Il doit faire que d'écrire jungle gap. Mettre des shrooms dans leur jungle. J'arrive à voler leur raid, c'est game, mais c'est risqué. Oh, il a le package. Peut-être mourir là-dessus. Non merde, j'ai mis clic. Oh putain, j'ai troll sa grand-mère, my bad. Je savais que c'était risqué. Ah, bot, il snowball, my bad. C'était risqué, mais j'étais vu, je sais pas comment j'étais vu, ils avaient une ward. Lui il a plus de R. Rien faire, Chimo contre Akshan. Ils étaient au courant, ils savaient que j'étais à leur raid. Si ça avait pas, c'était game, parce qu'ils seraient passés de l'autre côté, j'aurais one shot le raid et pris la plante. Après j'ai mis ce kill avec la plante. Non, abuse par contre, vas-y. Quel abruti la suit.
Dommage. Ils ont un HP, ça meurt la pute. Ah, il est pas mort là? Let's go. Your team has destroyed a turret. Non. Reporting in. Je peux pas trop Drake du coup. On va XP hein. Il me faut mon item. Dès que j'ai mon item, je suis vraiment strong. Pas trop jouer, ils ont le package. Mais non. Xerath, il a pas le droit de mourir là-dessus. Si on joue pas le Drake, ça sert à rien de se battre du coup. Pourquoi tu vas te battre en fait? Elle s'est régalée, elle vient de prendre 4 plates. On give le Drake pour 4 plates sur une Irelia, c'est rentable en vrai. Sachant qu'on peut pas le jouer dans tous les cas. Oh putain, il a raté. Là, la différence, elle est sur le sup. La Leona est partout. Le Xerath fait rien de la game. Timo, ça scale énormément, mais genre de baiser. Surtout en solo queue, c'est broken. Genre le scaling de Timo est monstrueux. Mais les gens sont pas trop au courant. Ça veut dire si j'ai un early game où je suis juste even, c'est game. Si je suis devant, c'est incroyable. Pas aller trop loin, je peux me faire ult Leona. Monte pas trop loin au top.
Notre team meurt en permanence. Oh non, il a pas pris le shroom. Et tant mieux, j'ai pas le chat. Je pense que je vais Luden. Pas beaucoup d'HP en face. Le Akshan, il a fait un early game de folie. Maintenant il rate tous ses E et tout, c'est un peu dérangeant. En vrai elle pue la loose cette game hein. Loyen va encore kill au bot. En plus du coup ils vont faire 1 milliard d'RM. Elle va encore mourir au top. Elle joue comme une imbécile. Comme tous les joueurs d'Irelia quoi. Là maintenant elle ping. Mais pourquoi ils sont encore au top? Regarde où t'es, t'as pas de vision. Toute ta team est botside. Le Corki qui roam pour donner le Drake. Récupérer des kills en plus. Et voilà encore Corki qui va à package pour jouer le Drake. Ce qui nous rend la game injouable. Mais enfin bon. Ils ont tous un HP mais je fais pas get in. Je vais la jouer comme un rat un peu. Blue buff. Yes, sir. Je reset. Je prends mon red buff, je suis tellement bien dans la game. J'avais un Riley. Je pense pas que je puisse me permettre de faire un Riley, je dois one shot tout le monde là. Non, s'il vous plaît.
sont martyrisés par les Shrooms. Pas trop tanker ça par contre. Je vais clear la wave avec ça. Ah, il a un HP. Il a démembré Lyonnais. On peut pas faire le Nash, c'est impossible. Et au moins il a pris un Shroom. My bad. J'étais focus sur le Nash, pas sur l'ul de Lyonnais. Les gens du club, eux. Dommage, il a mal mis son E, il aurait dû le mettre plus vers la droite. La Vex l'a complètement abandonné. Prendre une autre grosse baguette. Ah, je peux pas leur écrire, je prends le nage. Nique sa mère le blue buff. La troll de Lyonnais là. OMG, prenez-vous mon shroom s'il vous plaît. Oh les gens, non, prends-le, non!
Oh, il a reset tout le monde, c'est trop ce perso. Je vais garder mes shrooms. Faut mon level 16. Le level 16 sur Teemo, c'est indécent. Si j'arrive à avoir blue buff plus level 16, c'est incroyable. J'ai même pas beaucoup de haste en plus. J'ai envoyé mes shrooms de tellement loin avec le level 16. Ça c'est bon, je l'ai. Gâche pétasse. Cool, hein. Et bah j'ai pris le stun. Ça a pris tellement cher. Ok. Bon, ils ont pas beaucoup d'RM donc je fais pas de void pour l'instant. Je cherche Shadow Flame pour le Yone. Ils ont déminé la zone. Abuse, abuse. Mais il rate son nul, wesh. Ouais, c'est dur. C'est beaucoup trop de dégâts le Corki. J'ai plus de flash. C'est le Akshan qui a tout baisé à mourir avant le fight. Ouais, il me fait un Zonia, je pense. Y'a aucun item RM qui me sied, quoi. Une Banshee, j'ai bloqué une roquette, quoi, c'est tout. Il a même pas de jeu, Lyonnais. Je savais pas que quand je le joue, je faisais autant de dégâts. Là, à tout moment, il y a Twitch sûrement, mais je le déraille en 1v1. Et il le sait, je pense. Non mais vas-y, c'est bon au bout d'un moment. Non.
J'aurais fait tellement de l'Irelia, j'aime pas rester sur moi, c'est hilarant. J'aurais fait trop de dégâts les gars, là je l'ai mis à un HP tout seul. J'aurais fait trop de dégâts wesh. Okay, nice. Ouais, ça parle d'oseille dans le chat. On dirait que je suis en train de stream un tableur Excel. Merde, j'ai mon item, pourquoi j'ai pas acheté? Ouais, on end là. Let's go. Ah ouais, plus 16 ans des deux. Finito, hein. C'est finito. Au moins, j'ai cassé la win streak, hein. Au moins, j'ai cassé la win streak. Ouais, la lose streak, pardon. J'ai quand même dû solo win la game, hein. Le début de la pente ascendante. J'aimerais bien remonter au moins D1 et aller dormir et demain revenir. J'ai trop chill tout à l'heure. Là, c'est redescendu là un peu, tu vois. J'ai essayé d'arrêter de parler, de me focus. Le Timo Jungle toujours là, frère. Ouais, c'est deux wins. C'est deux wins. Oh, comment j'ai chill tout à l'heure. J'avais des free wins en plus. Les gars, mon Timo Jungle, il est vraiment fort. Hein. J'ai vraiment jamais perdu avec. Hein. J'ai jamais perdu avec. Hein. À chaque fois que j'ai besoin d'un pick, c'est lui qui ressort. Merci Roshi. Avec un peu de chance, je sens que je vais avoir une game free win de baiser là ce soir. C'est ça que je sens. Bah, l'historique, il est pas beau à voir. Hein. C'est la règle de la nuit là, je joue jusqu'à la défaite. Je fais la règle de la nuit là.
Du coup, Chimo Jungle, c'était pas une vanne en fait, je comprends vraiment plus rien à LOL. C'est bon, t'as mis Ferret. Oh, comment j'étais énervé tout à l'heure, wesh. Bah, faire rebondir les shrooms, ça sert pas non plus, c'est pas. Ça sert, hein, mais. Oh non, putain. Non. Ah, quoique, je vais pouvoir jouer talon mid. Ah oh ouais, ça pue la free win, ça. Notre jungle est pas fou. Vas-y, hein, je pourrais jouer talon mid. En vrai, je suis beaucoup autofill ce soir. Tu build jamais Rylai sur Teemo, ça a été up, c'est incroyable. Je sais pas, faut que je copie des techs d'OTP Teemo jungle, mais. En jungle, j'en connais pas. Il y en avait un avant, mais il n'existe plus. Il y avait un top elo Teemo. Ça. Non, bah oui. Comme par hasard, le ban Draven. Pas grave, il a un Karthus. Unlucky. Unlucky. My bad. Talon mid, pick inutile, ne fais pas ça, je t'en conjure. J'ai 100% de win rate avec, genre vraiment. J'ai vraiment 100% de ratio de victoire avec ce pick. En fait, je roam tellement et en late, je peux. Oh, ça, c'est excellent pour Anti-Lock, ça. Je lui arrache sa grand-mère, hein. C'est un match plus que positif. Ban Viego Eka. Après les gars, Ban Viego Eka, c'est le pic de la méta, quoi. Tu peux pas faire grand-chose, quoi. T'es obligé de les ban. Si... Enfin, t'es pas obligé de les ban, mais... Si ça les ban, je peux pas dire « Waouh, regardez, ils ont ban... » On va juste me répondre, c'est les pics de la méta. Ce qui est vrai. Là, je dois remonter à tellement loin pour trouver mes games de talons. Il a toujours pas lock en face. Prendre des runes RM. Est-ce que le E de Karthus est actif pendant la réa du Z de Zilean? Je pense pas en vrai, hein. Ok, je vais ban Draven direct. Si je l'ai pas avec moi, je banne Draven Karthus. Je joue rien d'autre en vrai. Après, il y avait un Fiddle. Les Fiddle en général, c'est des OTP, donc faut les ban. Il joue que Mundo top. Mundo, c'est pas vraiment une menace.
Pardon, désolé, je regarde Twitter. Ça, moi, c'est un plaisir de te retrouver au réveil. Bon réveil à toi, mec. Si tu taffes, force à toi, hein, 6h du mat quand même. Si un jour, tu veux voir un mec en 0 win, 68 défaites, en faire 4, son idée. En général, les mecs qui font ça, c'est des mecs qui font exprès pour faire les intéressants. Donc non, ça m'intéresse pas, mec. 1v5 d'Iron, je pense pas, frère, je sais pas. Je sais pas s'il l'a fait facilement VTO ou pas. Pff. Tous les cas, ça me sert à rien. Donc je sais pas, frère. Il le joue encore, je gueule, il arrive à le faire marcher. Est-ce que c'est encore jouable ou pas? Je pense que ouais, hein, s'il le joue comme ça. Il faudrait que je reteste un clear entre ces quatre. Peut-être la solution à tous les problèmes, Talon Jungle. Hein. Lui, il le joue mid. Talon mid, t'es obligé d'avoir beaucoup de morts, c'est ça le problème. Oh, il le joue avec l'orbe anti-magie, ça peut être pas mal en vrai. Parce que je pense que c'est dans quel match-up qu'il a joué ça? Dans une Ahri. En vrai, je pense que ça fait la diff. Hein. Quarante HP de shield. Il était contre une Zoe, il l'a repris. On va voir. Cas, il fait mon build. Sinon, ouais, il joue toujours avec l'orbe anti-magie contre les gros mages. Là, contre un Echo, il va le prendre ou pas? Ouais, et là, il est contre une Irelia. Ah non, il est contre Victor. Oh, je suis trop heureux, j'ai gardé l'OTP Draven avec moi. Je pense que je vais ban Fiddlesticks. Merde, mais je voulais voir quand il joue contre Irelia. Là, quand il joue contre Kassa. Ah non, merde, ça c'est jungle, ok. Non, mais du coup, il était pas contre Irelia. Il était contre Vlad. Il a que des match-up AP en fait. Draven qui ressaute. En vrai, c'est la champ select d'avant. Putain, j'ai pas ban Qiyana, elle ressort instant. J'ai besoin de savoir, il prend quoi contre des AD? Là, il a joué contre un Akshan. Mais il l'a quand même pris. Mais quel est l'intérêt contre un Akshan? Je pense qu'il réfléchit pas en fait. Yasuo, le problème c'est que là il y a un Karthus jungle, il va peut-être le prendre. Ok, nice, c'est une. C'est une Qiyana jungle, ça me va. Ah, il prend un Nimbus Claw, il prend pas, je te corche. Là, j'ai dû aller le chercher quand même. Je pense à bait de baiser. Au niveau des runes, on est pareil sinon. Juste, j'ai pas le scorch, mais bon, j'ai tellement un burst de ouf que. Donne quoi notre team? J'ai pas vérifié. Un bon AD carry, un bon sweep. C'est des smurfs, hein, il a 16 games. J'ai un 2, j'ai un 3, c'est un OTP Nunu, ça me va. En série de 5 lose.
Ouais Momo, ça va ou quoi? Je m'habitue moi-même en fait. Ah, et plus t'as d'AD, plus... Plus t'as d'AD, plus le shield et les conséquences. C'est exceptionnel ce truc. Je vais pouvoir bien bait le Kassadin. En plus, c'est un Kassadin électrocute, donc il va vouloir chercher à me tuer. C'est pas un Kassadin docile avec Fleet. Ouais, il a gagné une game en 0-5-2, la vie de putain de rêve. Ouais, il a l'air bon sur Kassadin, mais... Ah d'accord, ouais, Rashuyomu puis Eclipse, ouais, classique. Rien de spécial à ce niveau-là. La diff du mood par rapport à tout à l'heure. Ouais, je me suis détendu un peu. Et il est en full tilt, lui. Ouais, désolé, tout à l'heure, j'étais vraiment énervé. J'ai juste peur du match-up top, là. J'essaierai d'aller l'aider souvent. Allez, Morgana, il faudrait jouer la game. Merci. On veut certainement pas push cette lane. Là, j'ai slow push, énorme wave. Non. Crois qu'elle avait pas son bleu. Ça donne une free lane à Kassadin en early, mais bon, c'est pas grave. En face, il commence à tilt, je pense. Life to
Kana est level 3, elle va servir à rien de la game. La Fura a TP. Il a fait l'erreur de push, maintenant je vais le freeze à vie. En vrai, je vais pas le freeze à vie, je vais faire ma poche plutôt. Ouais, avant level 6, c'est dur de le tuer. Wesh, ça a disparu. J'ai pas trop aimé le deny d'XP là, je passais level 6 sur cette wave. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Ok, j'ai mon level 6, j'ai mon ignite. Fasse gaffe, il a de l'armure. I never compromise. Only fools set life to honor. J'ai une marmite de dégâts là. Mais il joue pas la game donc. Elle va juste prendre son mid life, je vais perdre une wave. Dommage, je tombe pas trop sur des débiles là en face. J'ai beaucoup d'XP de retard. Rien leur faire, Cassadin. Cassadin, il m'a endormi, frère. Ça, c'est pas commun, ça, mec.
Parce que même la Kiana, elle veut pas jouer, frère. Y'a personne qui joue dans cette putain de game. On a un flash. Non. Ah, j'ai troll. Trop risqué. En vrai, je voulais pas y aller de base. J'ai suivi la Morgana, mais ça se voit que ça pue la merde. My bad. J'aurais pas dû suivre comme un idiot. La wave est bien pour moi au mid. On avait déjà pris full. Par contre, top, il casse les couilles à mourir en perma, wesh. 0-3-0 déjà. Ça sert à rien avec son carcus de merde. Ah non, en fait, la wave, elle a fini par crash. Asana il a eu un shutdown, moi j'ai eu un seul kill sur Kiana, que j'ai dû aller chercher tout seul d'ailleurs. C'est nice, là je one shot les casters. En vrai, c'est facile à casser sa crown avec talon. J'apporte tellement à ma team là avec la prio mid que j'ai. Je fais que tuer le jungler. Je sacrifie un peu ma game, mais bon. C'est un bon, il met l'hérald. Je suis obligé de go out. Complètement idiot celle-là. Je faisais trap. Je l'ai un peu traumatisé. Elle avait plus d'ult vu qu'elle m'a ult au mid. Je lui nique sa game. Ça, la Kiana me déteste. Juste, j'ai offert un early à Kassadin, quoi. J'aurais pu lui deny tellement plus de CS. Je reset. Merci bien, mais ça loue. Le bleu sur moi serait incroyable, mais il est dans une bonne game le. Il est dans une bonne game le nunu, je vais pas lui péter le bleu. Si on n'avait pas un top qui int, on enlève 4 morts à notre team et ça fait 3-9. C'est une free win.
Non, my bad. On va roam direct au bot. En vrai, je dois push la next encore. Les gars, s'il vous plaît. Elle est pas morte la Kana, je suis abattu sa grand-mère. Il la tue pas avec un R. Reset. Il vaut pas de gold, hein? Ah putain, bon. Je sais qu'à ça, il récupère des skills. Je pense vraiment que je vais jouer talon au lieu du jungle. Hein. Ah, parce que là, ils ont donné des kills à Kassadin. C'est le meilleur call d'avoir essayé de steal ça. Donc il n'y a même pas de plaque à jouer, il n'y a rien. Je reset, je prends mon éclipse. My bad, my bad. Arrête, arrête, s'il te plaît. Arrête! Il me force. C'est la seule raison pour laquelle la game est dure. Fils de pute, va. Enfin pute, t'es en 0-6, pourquoi? Arrête de faire des calls, vous êtes nuls, faites pas de calls. C'est comme ça le jeu. Faire carré dans la vie, wesh. Voilà, Kiana, je vais lui annihiler sa game par contre. T'es en 0-6 frère, tu te fais carry ta grand-mère, t'as rien à faire dans la game. T'as juste à pas mourir, t'y arrives pas. Et là t'essaies de prendre des responsabilités, ça sert à rien mec. Comme ce que là il va aller filtrer à sa dent là. On va perdre la T1 parce qu'on n'a pas de top laner.
La nano flash, j'ai pris le raid. Et voilà, il fit casse à dents. On ne fera pas deux, my bad. Non, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Et pourquoi notre Nunu il push bot? Je comprends pas, moi. My bad. La fin, il commence à avoir des dégâts de, pour de vrai là. Rejoindre la team, y'a le Drake. Je vais jouer les fights de reculer. Elle est pas morte là, Nami, avec mon R. S'il vous plaît, le gars, un peu d'aide quand même. Enfin là, quand même là, vous me prenez pour un. Je suis une pute, moi. Faut m'aider là, ouais. Abuse, abuse, abuse. Et Nunu est mort. À moins que. Oh. Ah, il va tuer tout le monde. Je pense que c'était un bon chase, les gars. Ouais, je devrais aller en side, ouais, t'as raison. Zana, elle est bientôt level 16. Il
Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je push, hein. J'ai une noyée aussi si vous voulez venir. Ouais, je pense qu'on veut pas keep. There's nowhere to hide. En vrai, ils ont pas de shield, ça sert à rien. Ah, juste faire de l'anti-shield en vrai. Ok, bon. Il y a ça, du coup, on va faire ça. Je savais même pas que ma team faisait le Nash. On doit faire du 4-1 là. Ah, je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'y aller, ils vont fight, ils vont perdre. Sa mère le... Sa mère la macro, on est en solo queue. En vrai, Talon, c'est un... ça engage bien en vrai. Encore en vrai c'est dur les plus 16 mais bon en vrai je tag mid je pense je gagne toutes mes games hein. C'est trop ce que je leur ai... En vrai, je suis vraiment... En vrai, c'est trop trop bien. Hein. Le Karthus qui prend des LP après une game abominable. Ouais. C'est la vie, hein. Ça honore personne. Là, je focus que sur mon gameplay, là. Serait-ce une jungle diff? Non, non, je jouais mid, là. On aurait pu croire que je jouais jungle, mais... On aurait pu croire que je jouais jungle, mais non, pas du tout. Je viens de me lever, cram, j'étais pas D1 50 LP hier soir, j'étais même D1 82 LP, je crois, à un moment. Mais voilà, tu veux voir, tiens. Le mur, le red wall est apparu. Le putain de red wall est apparu. Et là, on est en train de refaire le blue wall.
Une win, je repasse des 1. Pour moi, je suis arrivé sur le stream, t'étais jungle. Mais après, Talon, tu peux tellement invade, tu peux tellement roam. Quand t'as un Kassadin en face, t'as free game, quoi, tu peux faire ce que tu veux. J'ai tué Qiyana level 3, j'ai volé son bleu, sa game était finie, elle avait envie de crever. Laisse-moi voir ma... Les gars, c'est tous les combien de temps que tu peux dodge et que ça te coûte 3 LP, c'est 24 heures? Ah merde, c'est la Qiyana contre qui je viens de jouer là. Lucian MVP selon PGG. Bah, il a fait le plus de dégâts à la fin de... à la fin des... En vrai, je vais bien Lucian, les gars. Je vais bien Lucian. Toujours 100% de win rate sur le Teams. 100% mec. Teams en jungle égale 100%. Je l'ai joué qu'en jungle cette saison ou pas? Ou j'ai dû déconner le jouer top ou un truc comme ça, non? Non, Timo, 100% de win rate. 10 kills minimum par game. 11 assists minimum par game. Je sens le ban Talon. Bah après, si ban Talon, je peux ressortir Akshan, je peux ressortir Kassadin, Corki. J'ai toujours des petites réponses au midlane, une petite Lissandra aussi qui est possible. Crame plus qu'une victoire, j'y crois. Oh, une victoire juste pour revenir à l'endroit où on était. Hein. C'est excellent, c'est Akali, il la joue ou pas du tout? J'ai pas vérifié. 20 games, 60% de win rate, c'est excellent. Je prends. En vrai, j'espère qu'il va nous sortir sa petite Qiyana. Là, on est susceptible d'avoir un Zilean Jhin bot. Une très bonne bot lane. Ah, je suis devenu trop chill, sa mère. On dirait un streamer chill. La musique, elle m'a apaisé, ça. Elle m'a. On dirait, elle a contrôlé ma marque Mojit. Je fais pas le tournoi CR finalement. Ben, en fait, j'ai la LFL en même temps. Je fais pas, les gars. La LFL, ça passe avant tout. En plus, j'avais pas train du tout Clash Royale, mais ça, je me serais bien amusé avec les autres. J'aurais fait n'importe quoi, j'aurais bien rigolé, mais je pouvais pas. Talon jungle, c'est fort les refs ATM. Bah, il a été nerf en jungle. C'est un peu moins fort qu'avant, mais je pense que ça, tu peux encore te débrouiller avec le pic. Putain, ça a dodge. Mon talon, il va sauter là, les gars. On est sur le stream de Reckless, quoi, sa mère là, c'est trop chill. En vrai, je suis content. Hein. J'aime bien de temps en temps, des fois on est trop dans le show, ça crie à Annie, mais là j'aime bien. Là, ça me... Je suis posé en vrai, je pourrais stream des heures et des heures comme ça. Le winrate avec Karim est irréel, ouais. En vrai, Karim ça marche bien en duo, pas en solo, je trouve. Ou bien dans... Si je sais que j'ai une bonne team, je pique Karim. Si j'ai une mauvaise team, je peux pas vraiment carry avec Karim, tu vois. Il te faut quand même des petits alliés juste pour te feed en early. Et une fois que t'es feed, tu one-shot tout le monde. Y'a moyen d'avoir le lien de la playlist? La playlist, c'est Chill Drive Lofi Hip Hop Mix. Truc qui dure 3 heures. J'ai bien matinal aujourd'hui, des nouvelles résolutions. Exactement, vous allez faire quand? Subgoal avec la LAN tueur.
Bah, dès qu'il y aura des LAN d'annoncer et qu'on pourra en faire une. S'il n'y a pas de LAN et tout, j'ai prévu de faire un truc open tour au cas où, tu vois. Il y avait quoi comme pick? Il y avait Kiana, il y avait Fiddlesticks, je crois. J'ai pas le main fiddle avec moi. Je suis jungle là? Non, je suis mid, c'est bon. Kayacine, il est où? Il est top. Il va nous sortir son action top. Le carry avec. J'ai un one trick Echo. Une très très bonne scène à bot. Je pense que je vais ban Fiddlesticks. Kiana. Après Kiana, je viens de l'humilier là. Vraiment, j'ai jamais perdu avec Talon mid et je crois que je suis à 8 ou 9 games. Hein. Un peu moins peut-être. J'ai peut-être abusé. Mais vraiment, Talon mid, je ne perds jamais. Hein. Ouais, je fais un tour avec la KTV. Non, c'est pas vraiment avec la KTV, ça sert à rien, on va juste faire des rails. C'est plus avec des tiki et tout, tu vois. Après, je sais pas si tu vois moi KTV, quand tu me dis KTV, je vois plus. KZ, Maru, côté Bibi. On peut pas vraiment faire une team compétitive. Merci Time to Cook pour les subs offerts. Moi, tant que je lose pas, je joue, hein. C'est la règle de la nuit. Taric Urgot, ok. Urgot, je les descends assez vite en vrai avec Talon. Les gens sous-estiment trop les dégâts de Talon, mais même contre les tanks, tu les one-shot en fait. Tu mets deux poisons Ignite, le mec est mort. C'est impossible de survivre à ce burst. Les ETP Echo sont terrifiants. Bah, Echo, c'est un perso qui pue un peu la merde selon moi. C'est un perso d'opportuniste quoi. Tu fais rien en early et. Et t'espères choper bah, 2-3 opportunités sur la map. Et si c'est le cas, bah tu carries. Sinon, tu carries pas. Contre Ahri, je pense que le match-up est difficile, mais. Si je vois que c'est trop dur la mid lane, je roamerai, j'irai top, j'irai bot. Je fais pas partie de la KTV. Non, mais c'est. T'as vu, c'est pas. Il n'y a pas d'organisation KTV, tu vois. Merci Razenka pour le sub offert. Merci au gosse. Et Kindred. Non, là, je joue jusqu'à ma prochaine défaite, c'est tout. Attendez, mais c'est une free win que je vois là. Oui, c'est un one trick Skarner. C'est un one trick Skarner, ils vont se faire dérailler en bot lane. Le Crimson Kindred, est-ce qu'il est terrifiant? Pas trop en vrai. Hein. Rien d'ingérable. Hein. Ça coûte combien l'amélioration à la grande potion? 350 gold, ok. Minions have spawned. I never compromise. En vrai, la lane va être dure, je pense.
C'est fort en line, Harry. My bad. Ah, je vais lui laisser le level 2 finalement. Je vais pas claquer ma mana pour un CS. Round pour 2, oui. Let's finish this quickly. J'ai eu les deux CS et je l'ai poke en même temps. Bah, son charme, il est minuscule. La lane n'est vraiment pas simple. Il y a Kindred qui va me gank. Peut-être la dernière. Rien d'intérêt pour moi d'avancer. Je sais pas pourquoi elle a claqué une potion. C'est frigant par contre là quand même. Je sais pas ce que c'est le écho. Il est level 2 le écho. C'est de la gueule du monde. Oh tu veux un... Un fax peut-être pour venir gank là. J'ai un meilleur bac. Your allegiances mean nothing to me. Kindred. Pas jouer aggro. Fasse gaffe à Kindred, elle est topside. Level 6 au mid. Je suis pas trop de prio jungle donc je laisse faire. Clean up derrière. Hein.
j'avais perdu celle-là. Ouais, dommage. La wave est fucked up en plus. Ah, j'ai pas de mana. Ok, ça va, il meurt pas. Ils ont plus de flash, hein. Ça c'est le comeback de la game, ça. Oh, le vilain triple kill. Okay, c'est relancé. Ils ont énormément claqué pour essayer de me tuer, ils m'ont pas eu. Pas trop la tuer mid, je vais essayer de roam bot un max. C'est que je les freeze tout leur early game. Et bon, on va rien faire, hein. Le match-up est juste injouable. Du club, excellent, excellent. Je perds beaucoup par contre au mid. Si tu top, c'est game. Tellement fort en lane, Harry. Jamais la tuer en fait, elle est tout le temps trop safe avec son perso de merde. Non, elle a raté. An enemy has been slain. Shut down. Mais vas-y, Léona, elle rate tout. Je vais péter mon crâne, wesh. Putain. Let's finish this quickly. An ally has been slain. Je peux rien leur faire au top, j'ai pas de ulti. Mais elle a pas le droit de push comme ça sans impunité depuis tout à l'heure là, elle a pas le droit de faire ça.
en toute impunité. Elle a pas d'ult cette Kindred, hein. Je peux rien faire contre elle. Le match-up, frère, il est injouable. Je fais quoi contre ça? Il a un shutdown, hein, j'arrive. Vraiment. Mais non, mais abuse, frère. Oh là là, le joueur! Et même si on est là, tu vas, ça va rien faire, hein. Je peux avoir juste un gank, s'il te plaît, mec. C'est même pas un gank, c'est une punition en plus. Il y a de la plantasse, il y a Harry qui arrive top. Je suis venu le shadow au top. Il est doué Harry, elle est là. Elle a son Liden maintenant, elle me one shot. C'est intéressant qu'elle ait fait Liden. De la Leona. On le voit qu'ils sont trois bots, mais il perd ma fight. Je peux venir gank mid, s'il te plaît. Au bout d'un moment, il faut que tu serves à quelque chose, Echo, mec. En fait, dans la game, si tu veux qu'on gagne, il va falloir servir à quelque chose, genre. Elle a pas le droit de me zoner comme ça. Je vais avoir tous les creeps, hein, mais elle doit mourir, elle n'a pas le droit. Apparemment, si, elle a tous les droits. Elle a tout sauf le droit de faire ça. Mais bon, mon Echo a du mal à connecter 3 neurones. Pas faire grand chose. En fait, vu que c'est Harry, les gens se disent je vais pas la gank. Alors que si tu la gank, tu fais claquer son ult. Déjà, c'est fini, elle peut plus. Elle peut plus rien faire. Je vais reset, hein, sa mère. Hein. Ouais, ça m'a touché. Dommage, j'ai raté mon combo, elle était morte sinon. Elle m'a touché max range. Moi ça me va de la perdre cette game. L'Echo est jamais venu défendre donc je vais pas. Moi je fais que de roam pour la team. Elle a pas roam une fois du coup elle est tellement bien en XP. Il est jamais venu défendre donc ça me va de la perdre. Il mérite pas de gagner l'Echo. Comme je l'ai dit, c'est un perso d'opportuniste. On est à genoux, de quoi? Un gros slash clear. Oh les gars, je suis en train de jouer, je sais pas de quoi vous me parlez, voilà. Je vais faire slash clear, bonne chance. Ça marche pas, fermez les yeux, voilà, ça marche pas. On avait dit de la merde. Ok, bonne chance les gars, franchement, je dois... On me focus en vrai un peu. La game est gagnable.
Supplie, gank là, je vais péter mon crâne, frère! Oh la dinguerie, sale fils de pute! Mais viens, oh là là, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi que maintenant? Oh, ça me va, hein. La Gale Force, flash. Oh la Léona, elle connaît pas Aphelios, elle aurait pu partir avec lui. Oh le putain d'écho, le level. Rien faire contre ça. Oh, le perso, s'il te plaît. On a perdu. Ouais, je sais rien à la game là, c'est fini. C'est pour ça que c'est de la merde avec un jungler passif comme Echo qui sert à rien à la game. En plus, lui, il pue la merde, c'est ça le pire. C'est ça qui est fait chier. Pas juste un jungler, le perso passif, c'est le joueur aussi. Il est passif. Passif in-game, IRL, il est passif partout. C'est la première loose de mon talon en mise. Hein. Les gens ne veulent pas jouer, je peux rien faire moi. En vrai, tu regardes les scores du Echo, c'est du coin flip, genre. Il carry jamais les games, il est juste là et il chill, quoi. Il faut être excellent sur le perso. Le match s'est fait enculer au top. Maintenant on doit face un Urgot en 1000-0. C'est... Déjà un Urgot en 2-2 c'est injouable, alors un Urgot en 12-4 c'est terminé là. Genre vraiment, j'ai aucun monde où on tue. Je sais pas quoi faire les gars, c'est qui? Y a un mec qui faut permaban. Y'a pas un modo dans le chat là? Y'a pas un mec qui l'a fait le truc? Ça, en plus avec le délai, c'est invivable, je sais même pas de quoi on parle. Je suis dans ma game, je... MG. Je me fâche ou quoi? Rien faire là-dessus, moi. Je vais vous suicider là, je... Mais non, mais pourquoi? En vrai, on pouvait la gagner, hein. C'est quoi le truc que vous me cassez les couilles avec depuis tout à l'heure? J'ai fait, c'est bon. Ah! Ah ok, c'est un mec qui off decep qui spoil l'anime. Ok. Je sais pas quoi faire du coup, là franchement je sais pas quoi faire, j'ai déjà lu.
Je vais vous montrer pourquoi c'était ingagnable. Moto G, joueur absolument à vomir, à fuir dans toutes les games. Ne carry jamais ses games. 3-2-6 victoire, autant vous dire qu'il s'est fait gap en jungle. Bon, le jungle en face est nul, mais voilà quoi, il a rien fait de la game. 7-6-5 n'a rien fait de la game, il attend juste. Il se fait juste mourir en fait. 3-0-2 n'a rien fait de la game. 11-1 mid, 6-5 top, 6-6-8 bot. 6-8-7 victoire n'a rien fait de la game. 1-5-2, 8-3, 10-6-4. Même celle-là, il avait la bot lane. Genre, c'est un mec, il est éteint. Et là, il a fait. Là, il a sa seule game où il a carry peut-être 11-3. Ouais, celle-là, et encore, hein, il a fait 12 000 de dommages, donc il servait à rien. Il servait à rien du tout. Joueur horrible à fuir. Merci Pouka. En vrai, je devrais aller dormir, ça. Jusqu'à dégâts avec W. 11-3, 12 000 dégâts. Dans son mid, on a mis 40 000. C'est un mec qui peut pas gagner, en fait. Il sert à rien dans les games. C'est dommage. Merci Castiel pour les 20 mois. Niski, sois pas méchant, je vais être méchant sinon. Pas t'es réveillé à 7 h. Je dois en réveiller à 7 h, frère. Attendez, je vais bloquer le compte. J'ai bloqué le compte, les gars. Normalement, il peut plus offrir de sub ni ce sub. Normalement, là, c'est bon, il peut plus rien faire. Ceci dit, merci Bouffon pour ton argent. Tu perds de l'argent pour ça, c'est une dinguerie. Ouais. Je fais un cadeau à ta mère, la pauvre. Toi qui dois se taper un clochard comme toi, en plus, tu lui donner de l'argent, tu fais ça avec. Repose-toi des questions, frère. Hein. Regarde-toi dans une glace. Miskina. La daronne, elle est là, elle trie, mais toi, tu fais ça, frère, avec de l'argent. Ok, on va rebloquer celui-là. Après, il peut le faire avec plein d'autres comptes, quoi. Je peux rien faire, les gars. À la rigueur, je peux cut le stream. Ah non, le blocage, il a pas encore pop. Sa mère la chaîne. Non, 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 sois respectueux, t'es malade toi quoi. Avec sa mère. C'est lui la merde, c'est pas sa daronne. Hein. Ouh là là. Ça pue le compte acheté la team. Mainboard diamant 67 LP en top lane. Putain, je voulais pick Teemo, pourquoi?
On a perdu à 100% là. Ah non, c'est terminé, c'est 100% perdu là. Get my team là, c'est terminé, vraiment. Y a aucun espoir, frère. Ah putain! Et pourquoi, wesh? Bon, elle est perdue celle-là. Elle est perdue celle-là. Mais j'ai dodge. J'ai dodge il y a moins de 24 heures. Putain, elle est perdue à 100% celle-là. 100% frère, on se tape un bar top, j'ai envie de canner, wesh. Mais il a toujours été support, il a même pas demandé le sup en fait. À moins qu'il roam de partout. Ah si, je crois que c'est ça en fait. Bon, de toute façon, je m'en bats les couilles avec Gwen, je veux juste AFK farm. Juste AFK farm et m'en battre les couilles de la game. Mais notre mid me donne envie de vomir, ça se voit que c'est un compte acheté. Lui, ça a l'air d'être un crack, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il veut en fait, le barde? C'est quoi son délire? Ah, nice. C'est bien d'open top pour ça. Hein. Dommage, hein, c'est plus hein. Oh, bizarre, le mythe, j'ai dit qu'il allait être nul, il est mort en 1v1. Yone Ignite. Nice les gars, Yone n'a plus d'Ignite. Bon, dommage. Hein. Pourquoi moi c'est jamais contre moi ça?
C'est bizarre quand même, on est toujours avec moi, frère. Donner First Blood à Viego. C'est pas ça, bizarre. Level 6. Eh? Merde. La Lulu, elle a son flash, son ignite, c'est la honte, voilà. C'est la honte de la France, cette Lulu. Elle est trop nulle, elle s'est fait low boost, c'est pas possible. Ça se voit au mouvement que tu sens qu'il y a un problème, c'est pas naturel. Non, je vais pas mourir. Eh bah, j'aurais dû sidestep la boule. Stronger.
Pas mon problème la team, démerdez-vous. Ça fait mon raid. Qu'est-ce que c'est que ce joueur, Zubby? Pourquoi je tombe contre avec les plus gros boosters du pays? Mais aide-moi, wesh! Ah, je peux rien faire. J'ai perdu la game sans pouvoir ne serait-ce que rêver d'essayer de la tenter. Il court sur le Timo là. Ouais. C'est tellement dommage. Tu meurs pas, hein? J'ai même pas ne serait-ce qu'un pour cent de chance de la gagner. Pas immune normalement. Attends, j'en ai rien à foutre la game, hein. Elle est perdue à 100. Elle est perdue à 100 000%, donc on va pas s'emmerder à essayer de la gagner. Hein. Ce serait la pire erreur de faire ça. Mais le Z est boosted en fait. Et dans tous les cas, je pouvais pas dodge, je perdais 10 LP. Donc je voulais la tenter avec l'AD qui joue, mais non, impossible. Même la botlane a perdu. Aucun intérêt. Là, le Z, quand je dis il est boosted, c'est pas en mode ah, il est boosted, il est nul. Non, non, c'est vraiment un compte acheté en fait. C'est ça qui fait chier. Étonnant, il a rien fait. Ouais bon, là je me fais intentionnel là. Le bard qui va dans leur jungle level 1 pour donner un kill à Viego. Elle a pris le shutdown, c'est dingue.
Là, ils m'attendent dans ma jungle. Ah, obvious, mais je m'en bats les couilles. Je tombe avec frère de Mugi et Malik, je les int. Ça, voilà, j'en ai marre. Ça me dégoûte. Pourquoi c'est eux qui ont cette chance et pas moi? C'est ça que je me demande. Je tombe avec eux, je troll pick direct. Il m'a ping en mode. Hein. Il est mort 15 fois au mid quand même. Comment ils peuvent me ping? Ils sont fous ces gens-là? On y va, on va se suicider les gars, comme ça ils finissent vite au moins. Allez les gars, parfait. J'ai well played. C'est fou snipe troll 100%, 100%, c'est pas grave. Après il y a deux subs, le bard m'a troll la game, je sais pas pourquoi. Bon vas-y, bonne nuit les gars, dormez bien. Ça sert à rien, je voulais spam les games là, et tout off stream, mais bon. Ça sert à rien.